Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une journée dans ma peau. Donc aujourd'hui, je suis aidée d'Elora qui est derrière la caméra. Du coup, je vous emmène dans une journée avec moi. Donc c'est parti. Kitchen floor, it seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put. Donc voilà, ça y est, j'ai nettoyé toute la dalle. Oups. Running for you every day and night. I'm running for you. Gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby. Let's go and hit the streets, yeah. Thank you.
d'aller attraper les ribouilles là-bas. On en profite pour faire une toute petite longe, histoire qu'il bouge un petit peu. Doucement. Allez. Bon, du coup, je vais en profiter pour lui faire un petit pansage parce qu'il est un petit peu cracra. Du coup, bah voilà. De Navarre, donc c'est parti. Donc ça c'est le grain qu'il a en revenant de trotting. Donc il a ça, voilà. Et puis ensuite il a sa petite huile essentielle. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo spéciale pour des astuces contre l'emphysème, etc. Donc voilà, monsieur Navarre a son grain. Donc si vous êtes demandé pourquoi je l'ai brossé avec ces bandes de polos, parce que Elora m'a dit qu'elle les renroulerait, donc j'ai juste passé un petit coup de bouchon et j'ai laissé les bandes. Ne vous inquiétez pas, il ne rentrera pas au box avec bah, la preuve. Donc la gribouillée à son box est tout propre, parce que comme vous avez vu dans les vidéos d'avant, Elora l'a brossé et puis il a bossé un tout petit peu parce qu'elle l'a longé. Voilà voilà. Et il y a le petit mouton juste là. Il a envie de sortir. J'arrive, je vais te faire sortir. Et puis bah là il y a les deux loulous rentrés. La barre là-bas. Voilà, voilà.